la chaîne Les Leaders Obstinés. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc un des leaders obstinés que vous nous avez demandé, Mustapha Thiam. Bonjour. Bonjour, leader obstiné. Un plaisir de répondre à vos questions. Merci et bienvenue, Mustapha. Merci, Demba. Merci, Madame Bey. Alors, qui est Mustapha? Pourquoi la communauté Leaders Obstinés souhaitait qu'on vous interviewe? Qui est Mustapha? Mustapha, c'est ce... Il était une fois un jeune cultivateur né en Afrique dans un petit village de Sin Saloum qui faisait 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Une personne qui était obstinée parce que je pensais que l'éducation était la seule arme qui me permettait de me sortir de cet univers et conquérir le monde. Et j'ai pris l'éducation comme arme donc, qui m'a beaucoup, beaucoup servi, qui m'a permis aussi de quitter l'Afrique, venir en Europe, faire toutes mes études ici, donc dans des grandes écoles, à Rouen Business School, où j'ai eu l'honneur de connaître mon très cher Demba, qui aujourd'hui est un frère. Et aussi continuer toujours dans les ressources humaines, donc j'ai toujours travaillé dans les ressources humaines, j'ai fini mes études avec une thèse MBA en direction des ressources humaines, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés, donc orientées RH et sur la partie transformation digitale, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, créer ce cabinet de recrutement Exigence IT. Voilà, donc Mustapha, c'est un jeune Africain, passionné par l'Afrique et qui pense que l'Afrique est l'avenir du monde et bien sûr le sauveur du monde. Ouais.